Voilà, bonjour à tous. Suite à ce café frigiel sur Internet, sur YouTube, j'ai décidé de mettre en application ce que je trouvais très bien d'ailleurs. Donc c'est pas exactement pareil, mais en tout cas il m'a donné de bonnes idées. Donc j'ai refait au mieux que je pouvais. Donc le pack que j'ai moi, c'est Minecraft, Kanecraft 1.7 en 64. D'accord, le 128 est pas terrible, il bug. Donc voilà. Ensuite. Donc j'ai fait une vidéo sur le décor, hein, vous pouvez la regarder. Voilà, donc là on va s'orienter vers la construction. Donc voilà ce que j'ai fait, l'application en tout cas de la construction. Donc ça c'est un barbecue, j'ai mis du nether à l'intérieur, et avec un briquet, en fait ça crame tout le temps en fait. Voilà, ça c'est bon, vous pouvez l'appliquer je vous montrerai sur des torches après. Donc là c'est un barbecue, voilà. Ok. Ensuite, donc là, on rentre. Donc j'ai tout, du coup j'ai tout changé comme truc. Pour l'instant c'est que le début. Donc voilà la vue. Ça c'est de la pierre de lumière pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc là on arrive dans un coin avec un siège et un ordinateur. Voilà, on reconnaît bien avec le meuble. Sur les bords, ben, c'est fait avec ça, hein, tout simplement. Voilà. Une petite table. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, c'est... en fait, j'ai mis des cubes. Après, j'ai mis comment on appelle ça, ce truc-là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, voilà. Et après, j'ai enlevé les cubes et j'ai mis ça. Voilà, j'ai pas fait ça et ça, sinon ça marche pas. Ça, je laissais ça, ça fait beau. Ici, là, en fait, ce sont mes coffres. Donc voilà, différents coffres. Sauf que ça fait un peu plus propre comme ça, en fait. D'accord, j'accède à mes coffres. J'accède à mes coffres. Ok. Voilà. Donc ça c'est moi qui ai inventé ça. Ok, avec ma petite baby très tranquillou. Tiens, bah, regardez, voilà là-bas. Là, en fait, on voit là-bas. C'est ce qui est allumé là-bas. Là. Voilà. Ce qui est allumé, c'est une torche avec du nether en fait. C'est pas mal. Alors, ensuite, donc là, vous pouvez incruster aussi votre workbench dans le mur, pourquoi pas. Il est à cette hauteur-là parce qu'en fait, j'ai fait un sol en demi en plateforme de bois. Donc, du coup, ça dégage tout. Si là, je mets quelque chose, ça va pas apparaître au sol, ça va apparaître au-dessus. Enfin, bref. Donc voilà, ça c'est un truc pour pas tomber dans les escaliers ici. Donc voilà, là un petit lampadaire, donc avec du qu'on appelle ça des barrières, donc ça fait ça. Ici c'est un frigo, donc l'astuce c'est que dès qu'on appuie sur ce bouton ici, la viande ou autre chose, n'importe quoi sort en fait. Donc j'appuie, hop, et je récupère de suite mon article. D'accord, donc voilà, en fait il suffit, là j'ai mis un bloc de laine et en bas j'ai mis un receiver, là je sais pas comment ça s'appelle. Donc là je mets ce que je veux, je pourrais mettre autre chose, hein, des soins, ce que je veux. Voilà, là je referme à chaque fois que je vais appuyer. Donc s'il y en a plusieurs, eh bien, autant j'appuie autant ça sort, hein. D'accord, ici c'est un petit placard, donc là on peut ouvrir. Voilà, un petit placard rangement avec un truc comme ça. Donc là ici, je mets tous mes trucs de déco en ce moment. Parce que ça m'a pris du temps de faire ça, néanmoins. Voilà, ici, c'est un petit appart que j'ai fait. Donc là, on reconnaît un canapé. Une table basse. Un pot de fleurs, ici. Voilà. Toujours avec des trucs sur les côtés, vous mettez de la terre... Hein. Ça, il explique comment faire. Moi, je vous montre l'application. Hein. Voilà. Un tapis. Ça, tout ça, c'est en laine. Vous les coloriez avec des plantes. Ça, je sais plus ce que c'est aussi. C'est un workbench, mais caché dans un mur avec une porte. Plus joli. Ensuite, donc là, j'ai mis des pierres de lumière. On descend. Là, je vais compléter. J'ai pas fini. Ici, c'est un canapé avec une table basse. Et vous voyez en face une télé 16:9.
J'ai pas encore fait la console, mais ça va pas tarder. À mon avis, c'est faisable. Avec des enceintes sur les côtés. Donc c'est ni plus ni moins qu'un cadre avec deux trucs comme ça. Et ça fait télé, quoi. Voilà, vous vous mettez comme ça. Vous êtes dans votre canapé, c'est nickel, quoi. On va faire comme ça, voilà. Ça fait vraiment télé, quoi. Une petite vue comme ça, sympatoche. Voilà, donc les enceintes, hein, tranquille. Ok, ensuite, donc le frigo, je vous ai montré. Les petits escaliers, hein, ça évite d'appuyer sur la barre d'espace quand on fait des escaliers comme ça. Donc là, on a vu ça aussi avec le siège. Ensuite, hop, je vais vous montrer, j'ai fait un truc qui vous fait rigoler. Voilà, j'ai fait des toilettes. Donc, le truc, il manque que du papier, c'est tout. On ouvre la porte, on rentre, on ferme, et là, on a la cuvette, et en fait, on ouvre. Et voilà, c'est nul, mais moi, ça me fait rire. Enfin, ça, je trouve ça sympa. Voilà, on ferme. Il y a pas. Je devrais faire avec un bouton poussoir aussi, il faudrait que je voie. Donc là, je ferme. Avant, c'était une niche, mais comme, bon, je m'en sers pas vraiment. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ah, attends, peut-être dehors. Non, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre en passant la porte. Donc, on dirait un peu du. Comme je l'ai dit dans la vidéo où quand j'ai fait le test, on aurait dit un peu du Left 4 Dead, la porte. Elle est super belle. Super belle. Voilà. Bon, ben là j'en ai fini, voilà, je fais juste un petit tour, là j'ai mis des chiens, voilà. Donc, ça c'est cool. Voilà, et je remercie donc les gens qui font des trucs comme ça sur Minecraft, parce que ça donne envie de faire des choses, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez aller voir ces vidéos, c'est Frigiel, hein, sur Internet, sur YouTube. Voilà, et puis c'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, et là, on va finir par ça. Ça va être court, hein, de toute façon. Là, on finit par ça. Ça aide, c'est pas mal. Ça se voit de loin, c'est sympatoche. Bon, parce que j'avais récupéré du nether et je savais pas quoi en faire. Moi, je voulais faire pousser des trucs et tout. Et puis, en fait, on peut faire ça. Ça, c'est cool. Et j'ai dans l'idée de me faire une barrière de feu, en fait. Faut que je voie ça. J'étudie ce truc pour me protéger. Parce que j'en ai plein du nether. Hein, de la terre, là. J'en ai plein. Voilà, bon là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait aussi de la pierre de non, de la pierre de lumière, je crois, sous l'eau, autour d'une maison avec un petit comment on appelle ça? En pilotis. Et c'était super bien. Aller par là-bas, mais c'est un peu loin, on n'ira pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, c'était Minecraft avec le pack Kencraft. Et les petites constructions mises en application en fait. Allez, au revoir.